Les amis, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, on est en Égypte. Regarde, on est même aux pyramides. Aux pyramides de Gizeh. C'est magnifique. Et aujourd'hui, on va aller découvrir si les prix en Égypte sont hallucinants. Alors, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir comme ça tout plein de vidéos sur l'Égypte, mais aussi plein de vidéos pour voir les prix à travers le monde, quels sont les prix. Et puis, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si tu aimes vraiment mes vidéos, n'hésite pas à laisser un petit don Tipeee qui ira directement aux enfants malades. Il y a plein de vidéos déjà en description. Et puis, si moi, tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu. Ça fait plus de 10 ans que je voyage à travers le monde. Tout ça parce que, pas parce que je suis super riche. Non, tout ça parce que, voilà, j'ai des petits jobs que je fais soit en France, que je fais soit à travers le monde. En fait, tout le temps, je fais ces jobs. C'est des jobs que je fais pour moi, l'argent me revient pour moi. C'est kiffant à faire et puis ça permet de voyager gratuitement et en plus de ça, quand même, de bien gagner sa vie, de pouvoir mettre de côté. Si ça t'intéresse, écoute, j'ai créé une formation gratuite où je t'explique dedans comment que je fais. Voilà, donc n'hésite pas à aller la voir, tu as juste à rentrer ton petit email. Et puis, allez, c'est parti pour les prix en Égypte. Alors, pour commencer les amis, le prix d'un ticket pour entrer donc aux pyramides est égal à 200 pounds Égypte, Égypte pounds, ce qui représente, on va dire, à peu près 10 euros. C'est même presque ça, 10 euros tout rond. Bon, là, les amis, on est dans Uber et une course Uber va te coûter toujours entre 20 et 30 pounds, d'accord? Alors, quand tu es dans le Caire, par exemple, tu veux faire, là, par exemple, je vais faire 6 km dans le Caire, ça va me prendre environ un quart d'heure. Voilà, je vais payer, là, je paye 25 pounds, d'accord? Donc, tu paieras toujours entre 20 et 30 pounds quand tu fais des petites courses comme ça dans le Caire. Ça représente quoi entre 20 et 30 pounds? Ça représente toujours entre 2 et 3 euros, d'accord? Puisque 20 pounds est égal à 2 euros, donc 30 pounds est égal à 3 euros, donc ça te reviendra toujours à 2 ou 3 euros. Après, c'est les Uber, ils sont très simples ici, hein. Les ceintures, tu oublies parce que soit il y a la ceinture ici, mais il n'y a pas le crochet, ou soit il n'y a pas la ceinture du tout. Bon, bref, ici tout le monde s'en fout, donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est cool! Allez, à de suite. Si vous allez dans n'importe quel pays du monde, là on est en Égypte, d'accord? Mais peu importe le pays du monde, à part si c'est vraiment en Europe, dans l'Union Européenne, ou je sais pas trop quoi, où on a le droit, avec son forfait français, tu as le droit à des gigas. Mais sinon, dans n'importe quel pays du monde ou presque, comme là l'Égypte, déjà dès que tu arrives, tu enlèves ta puce française, c'est le mieux, ou au pire, tu enlèves la petite notification données mobiles. Je sais que peut-être tu connais, peut-être d'autres ne connaissent pas. Donc ça, c'est important, sinon tu vas te retrouver avec des factures grosses, énormes, comme moi en 10 ans, j'en ai eu quelques-unes. Ok? Donc maintenant, ça fait plusieurs années que je ne me fais plus avoir. Si tu viens en Égypte, tu as soit Orange, soit Vodafone. Normalement, c'est les deux meilleurs, d'accord? Là, Orange, je paye 250 pounds. Ce qui est, il y a à peu près une heure de communication. Et surtout pour moi, j'en ai besoin de 18 gigas internet. Voilà, donc tu as de quoi faire pendant, on va dire, enfin moi, pour quelques jours, j'en aurais assez besoin. Et si toi, tu n'as pas besoin d'internet comme moi, ça va te servir pour 10-15 jours, 18 gigas. Ok, et après, tu as le Wi-Fi dans tous les hôtels, si tu veux, de toute manière. Voilà, donc voilà les prix. Les amis, comme vous pouvez le voir, le menu Big Mac est à 45 pounds, égyptien pounds, ce qui représente tout rond 2,50€ le menu Big Mac. Waouh, truc de ouf, non? Truc de ouf. Et on est au Caire, en Égypte. Alors, en général, les amis, un lit dans une auberge de jeunesse, ça va vous coûter environ 5 euros pour à peu près n'importe quelle auberge de jeunesse, que ce soit au Caire, que ce soit à Luxor, n'importe où, ça va vous coûter toujours environ 5 euros. Ça va aller de 3 euros jusqu'à 8 euros, mais en moyenne, c'est toujours 5 euros. Et si vous venez au Caire, je vous recommande l'auberge de jeunesse Dahab Hostel, qui est juste splendide. Avec des rooftops, c'est la seule, de toute façon c'est la seule avec des rooftops, avec des plein de coins pour s'asseoir, pour traîner, c'est la seule. Voilà, il n'y en a pas d'autres comme ça, sinon tous les autres c'est avec un balcon, mais celle-ci, voilà, c'est pas un balcon, c'est 50 balcons en fait, tu vois, c'est des terrasses sur le toit, et c'est juste top, top, top. Bon, là les amis, on est à la gare du Caire, la gare Ramsès, la plus grande gare du Caire. Donc c'est un peu le bazar, mais on s'y fait. Mais c'est assez sympa avec une belle mosquée là-bas au fond, tu vois. Et je vais te montrer un truc. Alors, regarde un peu les prix. Donc, je t'explique. Moi, si tu veux, j'ai pris
Parce que j'ai envie de me reposer un petit peu, même si je suis quelqu'un de simple, là j'avais envie de me reposer un petit peu ce soir. Donc j'ai pris un train sleeper, donc un train couchette. Le train couchette, je l'ai pris, donc c'est ça, je vais me retrouver dans une cabine double, si tu veux, avec normalement quelqu'un. D'accord ? Donc peut-être avec un peu de chance, il n'y aura personne dans ma cabine. Bon, sinon je me retrouve avec quelqu'un et je suis le lit du bas et j'ai payé 80 US dollars. Alors pourquoi c'est en dollars ? Ici, là, je ne sais pas. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne cherche pas à comprendre. C'est 80 US dollars, ce qui représente environ 70 euros, d'accord ? La place pour aller à Luxor, donc du Caire à Luxor pour faire quand même environ 700 à 800 km, ok ? Si tu prends une simple cabine où là, tu es sûr de te retrouver tout seul dans la cabine, tu vas payer 120 dollars, ce qui fait environ 100 euros, ok ? Voilà. Si... tu veux un siège simple, t'asseoir sur un siège simple pour la nuit, parce que moi je pars de nuit là, c'est un trajet de nuit, ça va te coûter environ 15 euros, ça va te coûter 300 pounds, d'accord, 300 pounds ça représente environ 15 euros, et ils le vendent en pounds, en 300. Alors pourquoi ils le vendent là en 80 en dollars, je sais pas, mais c'est comme ça, voilà, ça c'est les prix, donc du coup pour faire un long trajet de nuit en train, voilà, allez. C'est parti pour une autre vidéo. Je sors de la pharmacie, les amis, parce que j'ai un petit peu mal à la tête. Je tousse un peu. Et une boîte. J'ai demandé une boîte de Doliprane. Enfin, j'ai demandé une boîte de paracétamol. Et finalement, ils m'ont amené une boîte de Doliprane. D'ailleurs, c'est marqué un petit peu en français. En français et en anglais. Douleur et fièvre et pain and fever. Donc, français et anglais. Je me demande si Doliprane, c'est pas typiquement français. Mais bon, bref, c'est pas le problème. La boîte coûte 10 Egypt spoons. 10 pounds. Ce qui représente tout rond 50 centimes d'euros. On est à Luxor, les amis, Luxor. Et regardez, je viens d'acheter une salade de fruits. Salut mon ami, comment ça va? Ça va bien, merci. Je viens d'acheter une grosse salade de fruits quand même, mine de rien. Tu vois? Alors dedans, il y a de tout, hein. Il y a tout, mais je sais pas, des bananes, des... Dites-moi un peu ce qu'il y a dedans là, moi je reconnais pas les fruits. Et j'ai payé ça 5 pounds, ça représente 25 centimes d'euros pour une grosse comme ça, un truc de fruits quoi, donc ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. Et voilà, il y a notre ami qui nous suit. Alors, est-ce que tu peux boire de la bière en Égypte? Alors oui, tu peux boire de la bière en Égypte comme plein d'alcool. Par contre, c'est quand même vachement réglementé, c'est-à-dire que tu ne vas pas acheter ça au Carrefour ou à l'épicerie du coin. Tu as, on va dire, je ne sais pas comment que ça fonctionne, mais je pense que ça va être pour un nombre d'habitants, tu as un shop, en fait, tu as un magasin pour un nombre d'habitants. Par exemple, au Caire, tu avais un shop pour un énorme quartier, donc tu n'en as pas beaucoup. Tu arrives à en trouver, mais tu n'en as pas beaucoup, ça faudra que tu le demandes à ton hôtel. Mais sinon, voilà, tu peux arriver à en trouver. Pareil à Luxor, je crois qu'il n'y a qu'une seule boutique à Luxor. Donc, Luxor, ça représente 400-500 000 habitants, mais ça a confirmé, attention. Mais je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Voilà, sinon, le prix, ça coûte, alors ça dépend, au Caire, ça va être 35. Ici, à Luxor, c'est 32. Quoi qu'il en soit, les 50 centilitres, ça va te coûter 2 euros. Les amis, si vous venez à Luxor et que vous avez envie de visiter tous les temples, tous les tombeaux, pardon, etc. Si vous voulez tous les faire, tout partout à Luxor, tu en as environ, on va dire, allez, 30 si tu veux. Et à chaque fois, il faut payer. Mais si tu veux tout faire en même temps, le tout, tu en auras pour environ 50 euros. Et sinon, à chaque fois, tu vas payer 5 euros, 8 euros par temple, des choses comme ça. Mais sinon, c'est environ 50 euros le tout. Les amis, je suis sur la calèche et un tour de calèche va te coûter environ 40 à 50. Là, je paye 40 pounds, ce qui fait 2 euros si tu veux pour un petit tour de calèche où ils vont m'amener à différents marchés et après ils vont m'en ramener à mon hôtel. Donc voilà, un tour de calèche, ça te coûte 2 euros. Moi, je te conseille d'en donner 50. Moi, au lieu de donner 40, même s'ils m'ont dit 40, au lieu de m'en donner 40, je vais donner 50, un petit pourboire, c'est pas cher. Ça te fait plaisir, t'es content, tu vois. C'est bien cool. Voilà. 2 euros le petit tour de calèche. Ça coûte vraiment pas cher. Bon, bah là, les amis, on est dans le désert entre Luxor et Hurghada. Et j'ai pris le bus. J'ai pris le bus GoBus. Et un
ticket. Le prix d'un voyage Gobus entre Luxor et Hurghada, bon, peu importe hein, la distance, mais enfin, entre, si tu fais à chaque fois 200 km environ, comme là il y a environ 200 km, ça va te coûter 140 Egypt Pounds, ce qui représente environ 8 euros le voyage. N'oubliez pas que ça choque beaucoup de monde, ça, mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça, que ce soit en Égypte, soit au Maroc, soit n'importe où. Si vous avez des bagages, à chaque fois vous allez payer, et là vous allez payer donc, quand vous allez mettre votre bagage dedans, ils vont vous demander 10 pounds, donc ce qui fait environ 50 centimes pour chaque bagage à mettre dans la soute. Donc ça, pensez-y bien, parce qu'à chaque fois là j'étais devant des gens et qui disaient ah non, non, nous on veut pas payer, nous on a déjà payé le ticket de bus. Non mais je leur disais vas-y paye, c'est comme ça, tu vas pas y échapper, c'est comme ça. Donc pensez que chaque bagage sera 10 pounds à payer directement lors du départ. Et tout ça c'est des taxis les amis, il y a des taxis partout à Hurghada. Et là je suis monté spécialement dans un taxi pour vous donner les prix. With my friend. Yes, it's Abdou. Abdou. Yes, name for me is Abdou. Et les amis, une course en taxi à Hurghada, mais en général aussi en Égypte, d'accord? Même si moi je préfère l'application que je dirais pas le nom là pour pas qu'ils comprennent, c'est pas bien, tu vois, mais t'as compris de quoi je veux parler. UB et après tu comprends. Voilà, mais là j'ai pris le taxi un peu pour voir. Donc évidemment le taxi faut toujours négocier avant, sinon tu vas te faire baiser. Donc avant de monter, tu dis ton prix, voilà. Là je savais que j'allais faire 7-8 km. Je savais que ça allait pas valoir plus que 30 si tu veux. Et donc il me l'a mis à 25. Et 25 ça représente 100 c'est 5. 50 c'est 2,50€, ouais, donc voilà, allez, environ 1,75€, 2€ la course de taxi pour faire, allez, on va dire 10 minutes, 15 minutes de voiture. Voilà. Bon les amis, là je vous explique plusieurs choses en même temps. Alors regarde, si tu veux des bières, il faut savoir que là on est sur un boat tour. Si tu veux, quand tu es au bord de la mer Rouge, tu vas passer la plupart de ton temps sur la mer, d'accord? Parce que tu vas dans un bateau ouais, pour faire du snorkeling, tout ça, et ça te coûte 200 si tu veux. Ça fait, même des fois c'est 230, ça dépend. Mais voilà, c'est 230 la journée. En plus, tu manges dessus sur le midi, donc tu vas faire plein de. Voilà, moi je suis tout le temps sur les bateaux, et ça coûte donc 200, 230, ça dépend. Donc ça fait entre 10 et 15 euros, d'accord? Ça dépend du bateau. Donc c'est vraiment pas cher la journée. En plus, la boisson, mais Coca-Cola. Et café, c'est compris, d'accord? Et tu manges, voilà, donc c'est vraiment pas cher. Et quand tu veux des bières, parce qu'il y a toujours un petit bateau en fait, un tout petit bateau local, je sais pas où il est là, parce que là il est arrivé avec son truc, je sais pas où il est, attends. Bon, bref, je sais pas où il est là, et puis le bateau il bouge, j'ai pas envie de marcher jusque là-bas avec la bière, c'est dangereux, c'est du verre. Il y a un petit bateau en fait local qui traîne toujours à peu près dans les parages, tu vois, et qui lui a des bières si tu veux, lui il vend des bières. Bon, c'est pas donné, c'est 50 la bière, ça fait 2,50€, entre 2,50€ et 3€ la bière, si tu veux, ça fait 50 pounds, ça fait oui, 2,50€, 3€ la bière. Voilà, mais c'était juste pour te dire ça, voilà, juste pour te dire ça, que le boat tour, donc du coup, enfin le boat tour, pour faire un tour en bateau, je pense que si tu vas sur la mer Rouge, tu vas le faire régulièrement, enfin si tu restes assez un petit bout de temps quand même comme moi. Donc voilà, c'est 10 à 15 euros la journée avec le repas inclus et le coca, le café. Et si tu veux des bières pendant ton boat tour, eh ben ça, c'est pas sur le bateau. Hein, ils ne vendent pas de bière sur le bateau. Aucun bateau ne vend de la bière. C'est un petit bateau qui vient, qui vont appeler pour toi si tu veux. Tu leur dis je veux une bière, ils vont l'appeler pour toi par téléphone. Et il arrive et il te vend les bières à 50, voilà, à 2,50€, environ 2,50€, 3€. Je sors de chez le coiffeur les amis. Regardez, je suis bien coiffé de près. Bien taillé de près là la barbe, donc j'ai demandé ma barbe qui s'occupe de ma barbe parce qu'elle était grande là, donc qu'il fasse des belles choses là, qu'il coupe là, qu'il en enlève un peu là, là qu'il me fasse un petit fondu à blanc, tu vois. Donc pour le tout, alors toujours demander quand même le prix avant. Je t'explique une chose, je suis allé là-bas si tu veux. Alors je savais que de toute manière, même en arrangeant le prix, je savais que j'allais payer plus cher qu'un local et je trouve ça normal, c'est normal, d'accord. Et donc quand je suis arrivé là-bas, il me disait, tu me donneras ce que tu veux, d'accord? Ça me plaît pas trop, ça j'aime pas trop. J'aime bien savoir avant et ensuite, je préfère lui donner un petit pourboire. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, je vais donner donc ma calculatrice, donc je lui ai dit pour tout ça,
et il m'a tapé 100, tu vois. Je pense qu'il attendait que je négocie, tu vois, je pense qu'il attendait que je dise « Ah, 100 !» Alors 100, ça fait 5 euros pour le tout, d'accord. Pour l'Égypte, entre guillemets, c'est pas donné. Enfin bon, on s'en fout, mais normalement, eux, ils vont payer, allez, entre 20 et 40 pour le tout, tu vois, les locaux. Ce qui fait en moyenne pour 2 euros, ils ont le tout, tu vois, et encore même pas. Bon, bref, donc il attendait, à mon avis, quand il a écrit 100, il attendait que je dise oh là là, non, 50, 50, et après qu'on s'arrange sur un prix à 70, 80. Franchement, je négocie pas quand c'est comme ça, 100 balles, donc 100 pounds, 5 euros pour le tout. Franchement, je négocie pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vas négocier au coiffeur quand tu en as pour 15 balles en France? Non, voilà. C'est 5 euros. Faut compter, tu leur laisses 100. Alors, si c'est que pour le coiffage, bon, bah là, faut pas qu'ils prennent plus que 70, ce qui représente environ 3,50 euros. D'accord? Voilà. Donc, voilà les prix au coiffeur en Égypte. J'espère, les amis, que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir plein de vidéos comme ça à travers le monde de voyage, mais aussi de les prix, du budget. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous aussi, vous avez envie de voyager dans le monde entier comme je le fais, gratuitement, allez chercher ma formation gratuite. Moi, ça fait plus de 10 ans que je voyage dans le monde. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde et ça gratuitement et en plus de ça en gagnant de l'argent. N'hésite pas à aller chercher ma formation gratuite en description. Je t'explique dedans comment faire. Tu as juste à rentrer ton email et tu recevras la formation gratuite. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.